Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle investigation, la 60e. Selon la méthode de Calogero-Griffasi, nous avons une nouvelle investigation. Alors là, pour le moins assez particulière, je pense que ça va toucher un peu tout le monde. Bonjour Patricia. Bonjour Fabrice. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Alors nous allons interpeller votre conscience supérieure, subliminale, dans quelques instants. Vous n'êtes au courant, bien sûr, d'aucunement du sujet, du thème qui nous est imposé chaque semaine. Vous ne connaissez pas le sujet? Ah non, pas du tout. Très bien. Un remerciement à tous ceux qui suivent les travaux, en tout cas de l'Académie en général, Griffasi. Juste pour info, et les remercier en tout cas ceux qui nous laissent des commentaires, que ce soit à nous ou à tous mes confrères et consoeurs, mais concernant les informations que nous avons, elles sont très intéressantes, même si elles sont critiques, même si elles amènent une information nécessaire pour nous, histoire d'évoluer dans le cadre de ces investigations. Un merci particulier à Luciole, Mathieu, Hélène, Inès, Guylaine et France. Et n'hésitez pas d'aller au bout des vidéos, c'est bien de regarder et d'attendre quelques minutes, mais il se passe toujours des trucs très 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 intéressants. Quand on a un support comme Patricia, comme tant d'autres d'ailleurs aussi. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir toutes ces informations. Voilà, merci à tous. Tout ça, c'est dit. On va commencer dès que vous serez prête, Patricia. Eh bien, vous me le ferez savoir. Et puis, on pourra commencer cette nouvelle, la 60e investigation. Eh bien, écoutez, je suis prête. Très bien. Allez, on va fermer les yeux tranquillement. Prendre une bonne respiration et on va aller se connecter dans quelques instants à votre conscience. Un, on descend de plus en plus et on se laisse aller. Voilà, très bien, comme ça. Deux, encore plus profondément. Très bien, comme ça. Et trois, dormir de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Et pendant que vous vous détendez de plus en plus, c'est comme si on allait se connecter à une onde cérébrale que vous connaissez bien. C'est un état θ, un état modifié de conscience, entre 4 et 8 Hz, là où on peut avoir une relaxation profonde, afin de nous permettre d'avoir des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes, des informations qui vont venir, comme si vous étiez un haut-parleur en fait, de votre conscience, qui pourra laisser passer tout en validant toujours à chaque fois la véracité en fait des informations, en allant voir l'ADN de l'information, de la source, connectée à votre conscience supérieure. Et dès que vous êtes prête, vous pourrez me dire « Ok ». Ok. Très bien. Nouvelle investigation, la 60e investigation sur le thème du suicide. Et donc, dans quelques instants, je vais vous poser la première question et vous laisserez venir à vous toutes les réponses, toutes les informations. Quels sont les éléments ou les croyances les plus récurrentes, qui agissent sur l'instinct de conservation d'un être humain pour qu'il soit poussé vers le suicide? J'ai pas tout compris. Vous pouvez répéter? Très bien. Quels sont les éléments ou les croyances les plus récurrentes qui agissent sur notre instinct, finalement, d'être humain, pour qu'on soit poussé vers le suicide? Qu'est-ce qui pousse l'être humain à aller vers le suicide, en fait? Le fait d'être... d'être envahi du doute. Le doute de ne servir à rien ni à personne. D'avoir perdu peut-être un objectif. Et nos croyances font que si on n'a pas le même but que les autres, que son voisin, on se fait descendre tout seul. J'entends par là
que si on ne rentre pas dans les codes, on est différent et la différence peut être mal perçue et ça peut pousser les êtres dans certains retranchements, y compris d'une manière définitive vers le suicide. D'accord. Voilà ce que je perçois. Très bien. Alors, est-ce qu'il existe, et vous allez laisser venir toutes les informations les plus concrètes et les plus précises possibles, existe-t-il des dynamiques communes, des volontés communes qui se créent dans tous les cas de suicide ? Je crois que quand on descend trop en fréquence, qu'elle soit énergétique ou autre, on n'arrive plus à remonter que la seule échappatoire. Ce soit la perte de la vie pour recommencer quelque chose ou se mettre en attente. S'il y avait un point commun entre ces gens qui partent, c'est soit synonyme d'un grand courage, soit une fuite pour recommencer autre chose. Ou on peut y être carrément poussé par autre chose. Quoi, par exemple ? Ce qu'on pourrait percevoir comme une grande force qui nous obligerait, qui nous montrerait pas d'autre chemin que celui de perdre la vie. Définissez la grande force. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous appelez cette force ? On peut imaginer le mot entité. L'entité qui voudrait nous faire recommencer inlassablement une vie, un cercle, pour se nourrir des énergies basses de tous ces gens qui décident de perdre la vie, qui ont l'impression de maîtriser leur choix alors qu'on peut y être poussé. Si je comprends bien, on peut être aussi, indépendamment de notre volonté d'âme, d'être poussé par une entité. Vous pouvez définir l'entité ? C'est quoi ? Une entité... Je reçois le mot commandement, le mot contrôleur. Comme si ces personnes qui se suicidaient étaient des pions sur un échiquier et que quand ils ne sont plus assez haut en énergie, ne servent plus à rien et c'est comme si on appuyait sur un bouton reset. D'accord. Donc ils ne sont plus nourrissants, donc on les supprime pour recommencer. On choisit pour eux. On choisit à leur place. Elle choisit à sa place. À leur place. D'accord. Ok. Je vais vous demander d'observer maintenant les dynamiques, les volontés intérieures qui précèdent l'acte du suicide entre le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps physique. Observez ça. Il y a une hésitation, l'hésitation de revenir pour recommencer et faire mieux, et l'hésitation d'abandonner la lutte. Mmh. Une lutte intérieure qu'on croit qu'elle émane de nous-mêmes, alors qu'en fait c'est beaucoup plus simple. C'est cette force, ce contrôleur qui nous donne l'illusion de croire qu'on commande notre vie. Et ce n'est pas le cas dans certains cas de personnes. Okay. Dans ces personnes fragilisées par l'envie de partir. Je pense que quand le doute s'est installé, elle s'enclenche dans la brèche, elle se faufile dans ce doute
jusqu'à pousser la personne à se suicider. D'accord. Alors, tout en restant spectateur, et comme je suis curieux, je voudrais qu'on aille à trois définir et voir à quoi ressemble ce contrôleur ou ce contrôlant. 1, 2 et 3. Regardez et observez. C'est comme si... c'était quelqu'un ou quelque chose. On pourrait imaginer comme derrière un clavier, un écran, avec plein de boutons qui tirent des ficelles. Comme si ce contrôlant avait des milliers d'oreilles qu'il pouvait entendre, se nourrir à plusieurs endroits. Et quand il sent une énergie baisser, il va la supprimer pour en avoir une meilleure. Ça pourrait... Les yeux de ce contrôlant sont particuliers. Définissez comment ils sont. Eh bien, comme j'hésite parce que j'en vois plusieurs, je vais vous dire les deux. Je vois des yeux de reptile. Et à côté de ça, comme des yeux d'un... Je ne sais pas trop si c'est un dragon ou si c'est un comme un loup, mais des yeux perçants, comme s'il pouvait voir à travers les gens, les âmes, comme si grâce à ses yeux, il percevait le moindre doute dans l'esprit des humains. Et il s'en servait. Okay. Quant à la forme, elle est presque humaine. Je dirais que ça ressemble à des humains avec des yeux différents. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du contrôlant ? Au-dessus du contrôlant ? Ou du contrôleur ? Qui contrôle le contrôlant ? Je vois une pyramide. Enfin, comme une pyramide, un gros triangle. Bon, on reviendra là-dessus peut-être tout à l'heure. J'ai une autre question qui appelle aussi des réponses très intéressantes et on l'espère en tout cas. Je vais vous demander d'observer les mêmes dynamiques, les mêmes volontés dans le présent instant où un être se donne la mort, maintenant. Je crois qu'au moment où il se donne la mort, il comprend que c'est irréversible et qu'il regrette son choix. Mais c'est trop tard. Je pense qu'on a quelques secondes de lucidité et qu'on s'aperçoit de la supercherie et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc il y a un moment de panique, de stress, suivi par un gros moment de sérénité. D'accord. Et quelles sont les émotions, pour la plupart, reliées au phénomène de suicide, du suicide ? Dans un premier temps, la détresse psychologique et physique. Puis, une résolution, un abandon. Et quand la vie quitte le corps physique, un grand moment de tristesse d'avoir abandonné ce qui reste. Après cet instant, c'est à cette personne de faire le bon choix et de ne pas se laisser happer.
Et il faut que cet instant de lucidité soit conséquent pour que l'âme puisse choisir son chemin. C'est un petit peu, c'est le dernier choix de la vie. Soit on va à droite, soit on va à gauche. Tout est une histoire de choix. Ok. Ok, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui arrive au corps émotionnel d'un suicidaire en absence du corps physique tout de suite après la mort? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive au corps émotionnel en absence du corps physique? Eh bien, quand il y a la sortie du corps physique, il y a beaucoup de choses, beaucoup de... Comment dire? C'est comme si on mettait devant lui beaucoup de choix. Chacune des ficelles amène à un endroit. Mais l'émotion principale, c'est ce qu'il en dégage. Ce que je perçois, c'est la sensation de ruse, de perversité, perversion. D'être devant des choix qui sont impossibles à faire. La peur de se tromper. Et je dirais que 80% des cas choisissent le mauvais chemin et refont les mêmes erreurs dans une autre vie. Comme si c'était un cercle, un cycle infernal, exprès, pour nourrir le contrôlant, le contrôleur. Mmh. Comme si c'était... ce que certains pourraient appeler le karma, qui n'en est pas un, juste une façon de berner l'être humain. Une question qui me brûle les lèvres, en fait, et qui va intéresser beaucoup de gens. Quelqu'un qui s'est suicidé a les mêmes opportunités de choisir ou pas que quelqu'un qui meurt de vieillesse ou... Oui, oui, mais c'est plus compliqué pour lui parce que là où une personne qui meurt de vieillesse va avoir 3 ou 4 choix, lui, il en a des centaines. C'est fait exprès pour... qu'ils reviennent dans ce schéma-là. Et le choix est très compliqué, comme le choix de se suicider, c'est très compliqué. Il doit faire appel à une très grande force intérieure pour choisir la bonne corde à tirer. D'accord. Et il y en a tellement. C'est l'image que je vois, c'est la même que dans ces fêtes foraines où il y a tout un grand nœud de plein de ficelles et wow, vous ne savez pas ce que vous allez tirer en tirant une ficelle. Ça ressemble à une loterie. S'il ne se concentre pas, s'il n'a pas envie de faire autre chose que ce qu'il a déjà fait, il choisira la mauvaise corde. C'est comme s'il avait une chance sur 100 de choisir le bon chemin. D'accord. Donc on n'a pas le choix. On tire une corde et on voit ce qu'il y a au bout. On a toujours le choix. Il suffit de voir et d'entendre et de respecter sa voix intérieure. D'accord. Sauf que quand on décide de se suicider, on a perturbé tout notre corps physique et mental. C'est pour ça que le choix est difficile. Mais je crois que c'était le contrôlant qui décidait si on descendait en basse fréquence, c'est lui qui décidait. Il décide à 99,9% des cas. Mais l'être humain a cette faculté de pouvoir avoir une fraction de lucidité. Ok, on vérifie cette information, vérifiez l'ADN de l'info. Elle est bonne. D'accord, ok. On va parler du karma tout à l'heure, merci. On va maintenant observer les chakras en relation avec,
avec la dimension psychophysique durant la phase du trépas à cause du suicide. Observez et dites-moi ce que vous voyez. Les chakras en relation avec cette dimension psychophysique durant la phase du trépas à cause du suicide. Qu'est-ce que vous percevez? Il y a deux options, du blanc ou du noir. Pour les chakras? Il n'y a pas de couleur. Juste du blanc et du noir. D'accord. Mais plus de noir. D'accord. Il fait froid. D'accord. Très bien. On va aller ailleurs. Quels sont les effets pour la partie subliminale, l'âme en l'occurrence, de ce choix extrême? C'est quoi les effets pour sa partie subliminale? L'oubli. C'est-à-dire oublier quoi? Oublier sa vie, oublier ses peurs. Pactiser avec ce contrôleur. Choisir la facilité. Donc une fausse idée de lâcher prise. Signer un pacte. D'accord. Toutes les âmes signent des pactes? Non. Seulement les plus faibles. Seulement celles qui ne s'élèvent pas. D'accord. Y a-t-il une relation? C'est intéressant, votre réponse est vraiment, peut-être vraiment, et permettre à plein de gens de comprendre, qui suivent nos travaux. Y a-t-il une relation entre le suicide et le karma? Non, c'est le contrôlant, le contrôleur qui nous fait croire au karma. C'est comme si on mettait dans notre vie des petits cailloux pour qu'on marche dessus, pour qu'on se fasse mal et qu'on puisse douter. Sauf que certaines personnes en ont tellement devant leurs pieds qu'ils ont mal. Et que le choix de partir est plus simple que le choix d'endurer, de se relever et de continuer à avancer même si on a mal aux pieds. Je ne sais pas si la métaphore est correcte. Ben, l'idée là, est-ce que c'est la quoi? Oui, allez-y. L'image est bonne. C'est comme si on marchait sur un chemin rempli de cailloux et que malgré la douleur, certains décidaient de s'arrêter alors qu'il restait 50 cm à faire pour avancer. En clair, il faut endurcir, endurer la douleur, il faut la supporter pour pouvoir... Pas forcément la supporter. D'accord. C'est comme un saut d'obstacle, il faut juste sauter par-dessus. D'accord. C'est quoi pour vous le karma? Regardez, observez, définissez. Ça le karma, c'est un pacte. C'est le pacte qu'on signe avec le contrôlant. Ce qu'on pense, c'est le libre choix. C'est la fausse idée du choix. C'est ça le karma, c'est le pacte qu'on signe avec le contrôlant. Donc il y a une relation entre le suicide et le karma. Oui, mais basée sur les mauvaises impressions, sur l'illusion du choix. On a toujours le choix. D'accord. Très bien. Une autre question. Y a-t-il une relation entre le suicide et la réincarnation? Oui, c'est ce pacte qu'on signe avec le contrôlant. D'accord. Y a-t-il une relation entre le suicide et la généalogie? C'est ce qu'on veut nous faire croire. D'accord. C'est juste que dans certains ADN, on peut implanter, ce contrôlant peut implanter l'idée. C'est juste une histoire d'idées, de croyances, de fausses croyances, de choses qu'on veut nous imposer. Et quand on sait, on n'a plus peur. C'est la peur qui fait douter
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Se S'élever. réincarner, s'élever? S'élever. S'élever. Et comment faire? Je cherche le mot. La connaissance. Apprendre et tirer parti de nos erreurs. Sauf que quand on se réincarne, on oublie beaucoup trop de choses. Donc, je dirais que il faut que il faut aider les enfants à apprendre, à les cultiver, à cultiver nos enfants comme on peut cultiver les fleurs de nos jardins. La connaissance fera qu'ils seront, qu'ils s'élèveront et que quand le choix arrivera, ils sauront prendre le bon chemin. Et déjouer tous ces fils que le contrôlant peut poser dans leur vie dès la naissance. Okay. J'aimerais que vous alliez maintenant, au travers de la prochaine question, valider vraiment l'importance et l'ADN de la réponse ou de ce que vous allez percevoir. Est-ce que le phénomène de suicide a toujours existé? Bien sûr. Parce que depuis la nuit des temps, l'homme est fait pour douter. On pourrait envisager que ce soit ce doute qui soit mis dans l'ADN de l'enfant, du premier homme ou de la première femme. Ouais. Et est-ce que les animaux peuvent-ils se donner la mort? Oui. Oui, parce qu'on va les contrôler d'une manière différente. Ça peut être l'amour d'une mère pour son enfant. Ça peut être, quand je dis son enfant, je veux dire pour l'animal qu'elle vient d'avoir. Ça peut être, comme certains oiseaux, la perte de leur conjoint. Je pense que c'est malgré tout différent des êtres humains. Pour les animaux, il n'y a que le sentiment sur lequel ce contrôlant peut appuyer. Chez les humains, le côté psychologique va être d'une grande aide pour ce contrôlant. Ok. Alors j'en meurs d'envie, j'aimerais qu'on aille valider aussi l'ADN d'une perception, de ce que vous allez voir ou peut-être ressentir. On va aller au-dessus de ce contrôlant et au-dessus de la pyramide dont vous parliez tout à l'heure et de voir qui, quoi et qu'est-ce qui peut générer tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis qui apparaît maintenant? Une lumière très intense. Et toujours ses yeux. Il y a des yeux très allongés. C'est le boss là. Je crois, oui. Il a un nom? Le 1. Le 1. Le chiffre 1. C'est le tout. Visiblement, oui. D'accord. Vous avez validé l'information là? Je peux pas approcher mon doigt. Ok. Pourquoi? Parce qu'il me menace, mais je m'en fous. Non, 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 non. On ne fait qu'observer. On ne cherche pas, on observe, on regarde et on ramène l'information. Alors oui. Oui, c'est ça. C'est bien
C'est bien le un, c'est bien le tout. Ok. C'est ça. Très bien. Ok. Allez. Donc dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on se déconnectera de tout et de tous. Et vous reviendrez ici et maintenant, après avoir nous avoir permis de découvrir cette nouvelle investigation qui va nous permettre maintenant aussi d'avoir peut-être plus d'informations. Et dans quelques instants, à 3, vous pourrez revenir ici et maintenant avec le 1. C'est une belle énergie qui va remonter de vos orteils, comme d'habitude, vous ramenant progressivement à ici et maintenant avec une belle énergie. Et réintégrer correctement votre corps, comme si vous ne l'aviez jamais quitté, et que vous récupérez toute l'énergie de Patricia. Et l'énergie monte au niveau des genoux, elle vous renforce les articulations, monte le long des jambes, du bassin, du ventre, la poitrine, les épaules, et descend jusqu'à l'extrémité de vos ongles. Voilà, prenez le temps. Vous l'avez déjà fait, mais votre cerveau l'a déjà fait, il a réaligné un petit peu toutes les énergies. Et ça remonte du long de la colonne vertébrale, en passant par les cervicales. Et avec le 2 jusqu'au sommet du crâne. Et avec un merveilleux sourire, avec le 3. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Ok, super. Ça va? Ouais. Bon, très bien. Ok, c'est une belle investigation. Un petit débrief. Vous avez ressenti quoi? Bah, disons que c'est un thème sur lequel je n'attendais pas. Je ne m'attendais pas à aller. Bah, parce que. Oui. Parce que par ma vie personnelle, j'ai été confrontée à. À une expérience de suicide proche. Donc, le sentiment personnel que j'en ai aujourd'hui, c'est que je l'ai vraiment vécu comme un observateur et que je n'ai pas laissé, ou que ma conscience plutôt n'a pas laissé la place à mes émotions personnelles. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose de super important. Et je dois dire que j'ai eu un sentiment une impression vraiment de froid, comme si on ne voulait pas que j'aille voir, comme si on me disait, surtout sur la fin, j'avais l'impression que ma conscience me disait on a raison et il ne faut pas lâcher. Et quelque part, je crois que ça a été une élévation encore différente aujourd'hui. Ok, super. Voilà. Bon, ben, très bien. Merci en tout cas de vous être prêté à cette 60e. Investigation selon la méthode Calogero-Griffasi. Je vous invite à regarder toutes les investigations parce que vraiment c'est intéressant et c'est un travail commun et qui nous permet effectivement de partager et de valider un petit peu le regard et les ressentis aussi bien des opérateurs que des supports. Voilà, merci Patricia, merci à vous de nous suivre, merci de vos critiques. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle investigation qui sait peut-être la prochaine, la 61e. Au plaisir et à bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza,
e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte? A dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano? Hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano. Eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché? Queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile. Scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi, se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza,
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia. ADN Cronos. Qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
è né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.